Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais moi pour ma part, j'ai pas connu tous mes grands-parents. Moi mes grands-pères, je les ai pas connus malheureusement. Mon grand-père maternel, il est mort jeune suite à un accident très grave, et mon grand-père paternel, lui aussi est mort jeune suite à une opération très grave. Du coup mes parents, ils ont vécu orphelins, mais à la même période de leur vie. C'est-à-dire que mes parents, ils ont perdu leur père à l'âge de 5 ans. Les deux. Ça veut dire que moi, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, je pensais que mes parents, c'était des frères et sœurs. Mais bien sûr. Je leur disais, mais attendez, vous avez perdu votre père à l'âge de 5 ans. Les deux. Et ils me disaient, oui, je dis, c'est pas... Mais c'est incroyable quand même. Vous étiez fait pour vous marier en fait. C'est pas possible. Ouais, à l'époque j'étais un petit peu con, tu vois. Et du coup, moi j'ai surtout connu en fait mes grand-mères. Alors je sais pas comment ça se passe de votre côté. Vous appelez comment votre grand-mère? Mamie, mémère, je sais pas moi. Moi en tout cas ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, je l'appelle Lella. Et la mère de mon père, je l'appelle Lualida. Voilà, je sais pas comment vous appelez vos grand-mères, moi je les appelle comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, je comprends l'arabe, mais j'arrive pas à parler, j'arrive pas à répondre. Et de leur côté, elles, mes grand-mères, comprennent pas le français et parlent pas français. Donc pour communiquer, le langage des signes direct. Allez là, je veux manger, j'ai faim, je veux manger, ouais, je veux manger, ouais. Hein? Une pizza? Non, du couscous, je veux du couscous. Et mes grand-mères, elles aimaient ça, en fait, ça les faisait rigoler, tu vois. Par exemple, mes grand-mères, quand elles essayaient de parler français, ouais, c'était de la folie. Mais elles rigolaient, tu vois, c'est pas comme si on se foutait de leur gueule, tu vois. Par exemple, au lieu de dire confiture, hein, mes grand-mères, elles disaient fétiquer, tu vois. Ou bien, au lieu de dire caractère, du type de, par exemple, oh, il a un sale caractère, elle disait karatai. Oui, karatai. Ma grand-mère, même une fois, elle est montée dans le taxi, elle a dit au chauffeur de taxi, emmène-moi chez ma fille. Le chauffeur de taxi m'a dit, mais attends, mais le hija, moi, je connais pas votre fille. Ma grand-mère, elle a dit, quoi? Tu connais pas ma fille? Elle vient de se marier, ma fille, la semaine dernière. Son mari, il est grand. Tu connais pas ma fille? Attends, ça fait combien de temps que t'es taxi, toi? Et ma grand-mère, moi, je les voyais une seule fois par an. Alors, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, en tout cas, ma grand-mère, c'était pas un portefeuille. C'est-à-dire, c'est pas je vais voir ma grand-mère et je vais dire, oh, mamie, tu peux me donner 20 dirhams? Mamie, tu peux me donner... quelle donnée, wesh? De quoi tu me parles? Déjà, rien que je la vois, elle est en bonne santé, alhamdoulilah, tu vois, je suis content, c'est ça mon cadeau. Et moi, ce qui m'a choqué chez ma grand-mère maternelle, c'est qu'elle avait les yeux bleus, verts. Bleu et vert. Je me dis, je dis, mais maman, t'as pas les yeux bleus, t'as pas les yeux verts? Aucun de mes oncles ni tantes n'a les yeux bleus ni les yeux verts. Il s'est passé quoi? J'aurais été beau gosse avec des yeux verts et des bleus. Pourquoi j'ai pas eu ça? C'est un truc de ouf. J'aurais kiffé avoir ces yeux-là, comme ça, beau gosse. Hey, ouais. Mais forcément, le cycle de la vie suit son cours. Et puis un jour, ma grand-mère décède. Et du coup, ma mère qui était très attachée à sa mère... Bon bah elle tombe en dépression, pour elle c'est la fin du monde, tu vois, c'est normal. Et moi à cette époque là j'avais 7-8 ans. Et ce qui s'est passé c'est que ma grand-mère est tombée malade au Maroc, et donc ma mère qui était en France est partie la voir. Quand moi ma mère elle m'a appelé pour me dire, ouais je dis allô maman, Lella elle va bien, en parlant de ma grand-mère, elle m'a dit oui elle va très bien, alhamdoulilah elle se repose et tout. Alors qu'à ce moment là elle était déjà morte. Mais tu vois, elle voulait pas me le dire, elle voulait me le cacher parce que j'étais petit, etc. Et quand elle est revenue en France, et qu'elle m'a dit qu'en réalité, elle était morte, j'ai fait quoi? Mais c'est quoi la mort en fait? Parce qu'à 7-8 ans, tu sais pas c'est quoi la mort. Toi, tout ce que tu sais comme Ahmad, c'est, ouais, Power Rangers, c'est j'ai perdu ma peluche, tout ça. Mais la mort, la destruction cellulaire du corps humain, tu sais pas ce que c'est, ça n'a pas de sens, tu vois. Et moi, comme Ahmad, à cette époque-là, j'ai répondu, t'inquiète pas maman, je vais la revoir. Et c'est là que ma mère, elle m'a dit, Anes, tu es con. Très très con même. ouais, parce que tu sais pas ce que c'est la mort. Et du coup, l'été suivant, on est parti au Maroc. Et on est parti aussi se recueillir, en fait, sur la tombe de ma grand-mère. Et là, m'est venue une idée. J'ai dit, bon, si je creuse pendant 20-25 minutes, peut-être que je vais voir ma grand-mère, et que je vais la voir, et que je vais la prendre dans mes bras. Ouais, j'étais très con. J'étais con, tu vois, j'étais vraiment con, tu vois. Mais c'est ce que j'ai fait, parce que je suis un homme déterminé, tu vois. J'ai commencé à creuser avec ma main, comme ça, au calme et tout. Sauf qu'à un moment donné, ma mère, elle m'a grillé, elle m'a dit, oh, qu'est-ce que tu fais, là, ça va pas ou quoi? Mais je lui dis, t'inquiète, ça reste entre nous, je suis en train de creuser. Comme ça, je vais voir Lella et je vais lui faire des bisous et tout. Aïe, aïe, ma mère, elle a pleuré direct. Ah oui, parce qu'elle s'est dit, bon, c'est vrai que mon fils, c'est un peu un hamar, il est un peu con, mais quelque part, il y a un petit peu de raisonnement logique, tu vois. Bah non, j'ai arrêté de creuser, tu vois, ça servait à rien. Parce qu'en dessous de la terre, il y avait une dalle. Et puis même si tu soulèves la dalle, bah, il y avait que dalle, quoi. C'est le cas de le dire. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, bah, c'est qu'il faut prendre soin de sa famille. Ça paraît tellement évident, mais tellement de personnes, peut-être, le font pas, tu vois. Pour moi, en fait, la mort, je la vois comme un mur. Tu te prends un mur. Bam! T'es comme ça, t'es dans la vie, comme ça, au calme et tout. Et là, boum! Tu te prends un mur. Et le mur, c'est pas forcément quand toi, tu meurs.
Mais ça peut être quand une autre personne meurt. Parce que tu vois, quand tu aimes une personne et qu'elle meurt, en réalité, tu meurs un petit peu avec elle, tu vois. Ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a rien de plus important que la famille. Tout le reste, c'est de la merde. Marx, l'autre là. Ça va être compliqué ce délire. On va pas la faire en mode bourrin. Oh, waouh, 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 waouh.